Kenji Girac, après avoir initialement avancé qu'il s'agissait d'un tir accidentel lors de la manipulation d'une arme acquise en brocante la veille. A ultérieurement admis avoir simulé une tentative de suicide dans un état de panique et d'ébriété. Lors de la conférence de presse tenue par le procureur de Mont-de-Marsan jeudi après-midi, suite à l'interrogatoire du chanteur alors qu'il était hospitalisé à Pessac. Il a été révélé qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 2,5 g par litre de sang au moment de l'incident. Soraya, exaspérée par cette attitude, quitte effectivement la soirée familiale de couscous le dimanche, laissant ainsi son compagnon poursuivre les festivités, notamment au casino de Biscarros, où il avoue avoir consommé une quantité modérée de cocaïne. À son retour chez eux, légèrement éméché vers 2h30 du matin, au point de réveiller leur fille, elle lui demande de quitter les lieux. Malgré son refus initial, elle insiste et finit par le menacer de partir. Par ailleurs, la dynamique de vie au sein de la communauté gitane qui entoure le chanteur a également eu un impact sur la stabilité de leur relation conjugale. En raison de son origine suisse et de sa méconnaissance des codes de ce milieu, Soraya Miranda a confessé avoir éprouvé des difficultés à s'intégrer au sein de sa belle famille, qui initialement ne voyait pas leur union d'un bon œil. Depuis leur rencontre en 2014, Kenji Girac et elle ont d'abord entretenu une relation à distance avant de partager un domicile en région parisienne en 2020. Bien que sa famille réside toujours en Suisse, Soraya retourne régulièrement dans son pays d'origine, tout en prenant part à des voyages en caravane avec sa belle famille. Malgré le statut de star de la chanson de son époux, la jeune maman, dont la fille prénommée Eva Alba est née en 2021, préfère demeurer dans l'ombre. Elle ne souhaite pas être sous les projecteurs. C'est un choix qu'elle a fait. Je suis plutôt en accord avec elle. Vivre heureux, vivre caché, avait expliqué Kenji Girac lors d'une interview sur Radio Monaco en octobre 2022. C'est sa façon de gérer une situation complexe, être la compagne d'un chanteur constamment en déplacement.